congolextv.com, il n'y a pas photo. Nous organisons cette rencontre, c'est parce que le président du Conseil national de l'UNC, qui est le parlement du parti, tant un séjour ici, il a souhaité rencontrer les membres du parti pour leur communiquer, donc, de la part du président national, le message de réconfort, de remerciement, faire la restitution du processus électoral tel qu'il s'était passé dans notre pays. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez finalement de ce processus électoral ? Votre parti a été quand même dans une certaine mesure laminé par rapport aux objectifs qui étaient le sien. Oui, laminé non, mais vous savez, donc l'ensemble de la classe politique a dû reconnaître que voilà, ce processus électoral a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Ça a été reconnu même par la communauté internationale. Moi, je crois que par rapport à ce que nous avons réalisé comme score à la députation nationale, je crois que l'UNC a fait un bon score pour sa première participation aux élections. Avoir un nombre important de députés, je crois qu'il faut féliciter l'UNC. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir comment aborder les échéances futures, entre autres les élections provinciales et les élections locales. congolextv.com, il n'y a pas photo!